pigeon voyageur est un oiseau fragile qui cherche le bonheur dans le ciel bleu des îles. C'était une chanson qui devait avoir le prix. Je n'ai pas compris la décision du jury. Je suis très surpris, j'ai lu sur mon manuscrit à l'unanimité cette œuvre est rejetée. J'avais pourtant fait tout le nécessaire. Une petite lettre aimable au président, voyons, un gros bouquet de fleurs pour sa vieille mère et 2500 francs de jouets pour les enfants. Eh bien, malgré ça, j'apprends que ce salaud-là a voté pour un gars qui ne connaissait même pas. Le pigeon dans les bois va chercher sa pâture. Et quelques petits pois seront sa nourriture. C'était une chanson qui devait avoir le prix. Ça semblait écrit pour Piaf et pour Guettari. Maurice Chevalier devait la chanter aussi. Ce pigeon-là pour lui, mais c'était du tout cuit. Tous les éditeurs de la capitale devait venir me supplier chez moi. Ah, et la radiodiffusion nationale, toute la journée n'aurait plus chanté que cette terre-là. Ce pigeon-là devait faire le tour de Paris. Le pigeon que l'on voit au retour des campagnes, avec la bague au doigt vole vers sa compagne. Ah, vraiment, cette chanson-là, écoutez, on fait plus de chansons comme ça maintenant, c'est sensationnel, quoi, ça devait avoir le prix. Et de loin, maintenant, c'est fini, et j'en ai pris mon parti. Il n'y a vraiment pas de quoi en faire une maladie. Lorsqu'on écrit une chanson, je pense, ça n'est pas pour la popularité. Mais ma chanson aura sa récompense quand dans votre salle de bain, tout seul, vous vous mettrez à chanter. Le pigeon voyageur qui revient des campagnes. C'est bon cette chanson, c'est excellent, c'est très très bon. Allez, en cœur et au fond de dans ta Oh.